Salut tout le monde, salut à toutes et à tous, c'est Petit Prince, je vous retrouve de nouveau pour la suite de la session, pour moi, notre épisode pour vous. J'espère que vous allez toujours bien, pour ma part ça va toujours, toujours motivé, toujours à fond. On se retrouve du coup sur une nouvelle session GTA RP comme je vous l'ai dit. Et puis voilà, c'est dans une demi-heure il y a une grosse scène, donc restez. Je pense vers fin d'épisode il y aura une belle scène. Et puis écoutez, on se retrouve tout de suite in-game. Allez, à tout de suite tout le monde! Aha! Je vous entends. Oh, comment on Danse. avance? Oui, expérience sociale, je vais la voir. Allez. Danse. Danse. Allez, Johnny. Mais prends. Danse. Danse comme la Allez. petite hier. Danse, danse, Voilà. voilà. Ah non, on a dit comme la pute d'hier. Non, attends, non, hey, tous les oh, temps il a notre équipe. Tous les temps ça remet pas des buts. Le mec qui spam la attends, radio attends, écoute, 50 écoute, fois. Écoute, écoute, écoute. La prochaine fois qu'il propose un combat, ouais. Eh ben on te viole. Oula. Oh. Bon. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de gadget en plus. On a faim. Donc tu engages plus de combat. Les combats c'est quand je vous le dis les gars. Est-ce que tu m'autorises à faire un combat? Non. C'est expéditif. Je m'en fous, j'ai gratté. J'ai gratté le numéro de ta meuf. Oh! T'as du quoi toi? Dis-moi, bras droit. Avec ses cheveux verts toi. Est-ce que tu m'autorises à le soulever? Non. T'as raison. Frérot, arrête s'il te plaît, laisse-moi lui mettre une. Elle a dit qu'elle a eu le cœur brisé, j'ai réparé son bon, cœur, t'inquiète pas. C'est simple, je lui mets une patate, honteux. Attends, retiens bien, retiens bien, retiens quoi bien. Quoi? Quoi, tu menaces plus là? Non, ouais. Je retiens bien, regarde ma dans la piscine, dans la piscine, dans la piscine. En plus, alors, je vais arrêter. Je veux voir l'expérience sociale, elle a l'air jolie, c'est pour ça. Rentre dans la piscine. Désolé, frérot, je te manquais de respect. Rentre dans la piscine. Rentre dans la piscine. Trop facile de dire excuse-moi. Du coup. Ah, ça commence piscine. Bien, putain! Pablo, lève-toi de la piscine. Maintenant, Diego, il va te mettre une gifle. Et si tu agis, on te viole. Tu fais une expérience sociale, c'est ça? Voilà, tout à fait, on fait une vidéo. J'ai la GoPro, hein. Si jamais. Diego, t'inquiète pas, il bouge. Il bouge, il va faire un retour à l'hôpital. Attends. Ouais. Un gifle, un joli gifle. Ah, attends, il m'a menacé. Oh! Ah, oh, il lui fait manger ses couilles! Oh, c'était beau ça! Oh là là! Il m'a menacé, je lui ai fait lécher mes couilles. Les gars, abîmez-vous, les gars. T'aurais dû lui demander quel goût ils avaient. Juste pour savoir. Pouh! Oh! Oh, wow. Il est craché sur lui, il est craché sur lui. Ah ouais, il est craché sur ton frère. Diego, mets-lui une gifle. Oh, j'ai craché par terre au bande de mythos. Diego, mets-lui une gifle. Ah, je crois qu'il avait un poil dans la bouche. Je crache pas au quartier, frérot. Il y a des grand-mères qui habitent ici, c'est eux qui lavent le sol après. Diego, mets-lui une gifle comme moi je l'ai mis. La piscine. Mais c'est toi, tu veux te faire victimiser, frérot. Mets-lui une gifle, Diego. Une jolie gifle. Une jolie, hein, pour que ça claque. Une jolie, allez, une jolie. Attends, Réa, j'étends bien l'oreille, hein. Non. Aïe, aïe, aïe. Et il m'a frappé. Non, Diego, mets-lui une gifle. Voilà. Ah. Oh, j'ai l'entendu, hein, elle a bien ouais. claqué. Bon, les gars, quand je suis dans la piscine, moi, descendez pas tous à la piscine, parce que c'est le bordel. Les gars, remontez. Y'a deux passages devant, j'entends un peu, là, qu'est-ce que c'est? Tu restes tranquille s'il te plaît pour la soirée parce qu'on aura des opérations si tu es comme ça. Tu vas vraiment aller faire un dodo. Je te préviens. Je crois que ton frère il a trouvé un nouveau moto, hein Diego. Ouais, il a acheté je sais pas quoi. Ouais, je peux venir te parler. Il faut que tu la complimentes sa moto. Ouais, c'est toi qui monte dessus pour lui mettre un shoot. Hop. Oh. Il va arriver. Monsieur, bonsoir. Le fume petit. Ça va, tranquille. Et vous-même? Ça
ça va, c'est Trix, c'est au cas où. Ouais, ouais, pas de problème. Tu cherchais les boss? Ouais, ouais, on m'a dit que ce soir je pouvais bosser un peu, donc je sais pas. Voilà. Benga, benga. Ça marche. Je vais te mettre un shoot. J'aime beaucoup ton vélo. Quand ça va? Ça va, écoute. Hein. Là. Je sais pas si j'ai dire. Y'a Trix qui est là. C'est qui? C'est Trix. Salut, c'est Trix. Ça va Trix? Ça va, tranquille et toi? La forme? Ça va, écoute, on est prêt. Hein. Prêt à quoi? Prêt à tout, à bosser. Oh, moi je reconnais ces belles lunettes. C'est Titi ça. C'est toujours là. Ah! Tu es incomparable. Ah! Oh! Un joli clown, il est là. Boss, tu es sourd. Je te mets un doigt dans l'oreille, bouge pas. Je suis le boss. Oui, tu as un boss aussi. Ok. Les gars, 23h, j'ai un rendez-vous, moi. Vas-y, attendez, les gars, je rentre mon vélo là. Ah, tu vas rentrer ta jolie bécane, elle est belle ta moto, hein. 23h, si je suis pas là, je suis dans la merde. Donc, jusqu'à 23h, je suis à vous. Après, je dois y aller. Salut, Tony. Ça va, mon hermano? Tu vas bien? Ouais, mets ton tenue et on a quelques rendez-vous de prévu là, je vais organiser ça tout de suite, ok? Ok, ça marche. Et vous travaillez si jamais. Tu as la tenue, Trix? Enlevez les cagoules. Du coup, je la prends, je la prends. Comment? Bah, dites pas la prendre, la prendre. Ah, moi je sais qui est qui, non, t'inquiète quand, pas, quand va. Vide, là, je te dis de la prendre, tu peux la prendre, t'inquiète. Si tu vois un petit moustache juste en dessous du trou de la cagoule, c'est Titi. Hein, Titi? Ouais, si. Ah, t'as un bel moustache, c'est incomparable. Voilà. Ah, ouais, ouais. Oui. Je peux les bosser, genre, parce que je suis des Mexicains. Ah, tu es Mexicain. Attends, là, ici, tu arrives un peu trop tard, hermano. Regarde, on a vidé tous les Raptors. Ah, ouais. On a charbonné 8 Raptors déjà. Ah, là, comme ça, je suis encore plus beau. Tu vas bosser avec nous dans le. Regarde comment c'est un moustache. Ah, tu as un moustache. Avec le cuir et le moustache, tu es parfait. Merci. Chez moi, on appelle ça un queer moustache. Ok, ça marche. Queer. Ah, les directives de. Ah, les souvenirs. J'ai la rêve, Ah, ça me fait plaisir. Voilà, tu vas participer à moustache. Ça va pas de publicité. Et j'adore cette chanson. Ça marche. Et je l'adore. Comme ça, on va pas traîner avec ça. Ah, t'es pas obligé de me faire un crochet pas ta titi. Ah, oh, c'est pas moi, oh là là là. Ah, je t'ai vu. Oh, tu fais Calimero. Je t'embête. Ah, du coup, les mains moto, tu as pas vu, Pablo? J'aime bien, j'aime bien. Titi, Diego, Titi, Diego et. Pablo. Titi, Diego et. Pablo. Et Pablo, voilà. Il faut qu'on a besoin d'arrondir ici, il manque quelques milliers d'euros pour arriver à la somme qu'on a besoin pour combien pour APEC. Quelques milliers, tu sais, juste ça. 10 000 chacun, on sera bon, ok? Ouais. Si vous savez préparer 10 000 chacun, vous allez la ramener ici maintenant. Et ouais. Comme ça, moi je vais le sortir bon. De la banque, justement. Ce qui manque aussi, comme ça on est bon, ok? Je vais t'en mettre un petit peu, mais j'aurai plus rien sur le compte après. Hein. Ok, Radio 287, ok. Mon frère. Je vais te rajouter un petit peu, mais j'aurai plus rien sur le compte après. Mais bon, c'est passé pour le bien. Ok. Mon compte en banque, frère. Ouais, t'inquiète, je suis un charbonnet, ça revient vite, pas de problème. Okay. Les armes, c'est prioritaire. Lequel de vous je prends avec moi là? Dans la voiture. Tony. Voilà, Armand. Tu veux venir avec moi, Titi? Si, il faudrait retirer 10 000, c'est ça? Ouais. Allez, benga. Allez. Si tu veux, je te donne un peu plus, je m'en fous. Ouais, même donne 15 et toi 15 comme ça et de vous demander à. Attention. 10 000 comme ça. Ok, nickel. Allez, benga. Allez. Parfait. Ouais, moi, hermano. Oh, boss, y'a Carlito. Oh, la belle voiture. Oui, mais il me gonfle. Vas-y, avance, oui, mais il me gonfle, je peux pas sortir. Il t'avait fait la place. Ouais, mais t'as vu le tank qui conduit? Moi, j'ai pas un tank, moi, j'ai un truc qui fuse. Hein. Ouais, désolé. Du coup, 10 000. 15 000, 10 000, bon, je m'en fous. Retire 20 000, comme ça, tu me payes les réparations de la peinture. Bon, tout va bien, Titi?
Ah si si ça va bien, ce soir il se passe des trucs, il y a 3 réunions. Ouais, il y a une réunion ce soir. Ouais, ça fait beaucoup, 3 réunions. Non, je t'explique, hier c'était pour les renouvellements pour que vous puissiez continuer à travailler, ce soir c'est pour les armes. Non mais ce soir il y a réunion avec je sais plus qui. Après il y a réunion avec les armes pour les 9mm avec la pègre. Et après il y a... Comment ça il y a une réunion avec, non, il y a réunion... La cité rouge. Ah, la cité rouge, oui, mais il y a réunion avec la pègre et les rouges, c'est tout. Il n'y a pas une autre réunion avant? Peut-être avec toi, peut-être avec toi, Diego et Pablo, pour voir si on vous fait monter, tu vois. Ah, je sais plus. En tout cas, il y a. Mais Tony m'a dit que je monterai seulement, donc je suis content. En fait, c'est une bonne journée. Ah, 10 000 de cet argent-là, Franck. Ah, si tu veux, je t'emmène à l'appartement après, hein, mais. Mais oui, mais je crois que les armes, ça se paye. Oui, oui, mais il s'en fout. Au pire, est-ce... Voilà. Oh, oh, tu es beau. Merci. Tout va bien? Muy bien, et toi? Ah, ça va. Ben regarde avec quoi je roule maintenant, ça peut coller bien. Oh là là, quelle beauté. Ah, tu vois? Oh, tu sais, ça ressemble à quoi? Au petit chocolat, mon chéri, tu vois. Ah, la cerise, elle est bonne à l'intérieur. Je te ferai faire un tour si tu veux à l'occasion. Ben avec plaisir, vraiment avec plaisir. Là, je dois aller juste... faut que j'aille signaler comme mon véhicule a été volé là pour éviter de me faire d'avoir des problèmes. Oui, un boucanet, je comprends. Mais ouais, c'est ça. Vas-y, mais je t'appellerai, ouais, pareil, on ira faire un tour. T'inquiète, y'a pas de soucis. Bah du coup, remonte. Remonte, Titi. Vas-y. Écoutez ça. Wouah, quel bizarre. Tu habites où, Titi? Je vais te mettre le point. Bonne soirée. Pareillement. Si tu savais ce qui m'est arrivé avec cet homme. Tu rigolerais, je pense. Ah, possible. Il t'arrive toujours des aventures incroyables. Ah bah écoute, 3000 euros en pochon de mètre, c'est assez incroyable, oui. Bon, je te rassure, je les ai récupérés. Hein. Titi? Si, tu, tu es choqué ou quoi? Bah un petit peu. Je te rassure, il s'est fait soulever, tu vois, et j'ai récupéré ma toune. Ah ouais. Tu as l'air très occupé là dans ta tête. Si, j'ai des problèmes là, attends. Attends. Ah là, c'est bon, c'est plus de problèmes. Si, c'est juste à gauche là. Oui, je sais. Je... Allez, venga. Est-ce que tu... Ben moi non, parce que j'ai pas... Non, j'ai pas de maison, moi, et je t'avoue que j'ai pas de l'argent comme ça. Ah, tu peux arrondir un peu pour moi ou c'est compliqué? Non, c'est bon, je prends 20 000 du coup. Ah, tu es gentil, Titi, je te revaudrai ça. T'inquiète, t'inquiète. Adorable, le petit Titi, putain. Il est génial, ce petit gars. Ouais, j'ai même pas... J'ai 8000 sur le compte, il faut que je garde de la thune pour le plein et tout. Aïe, 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 allez, un quart d'heure, il y a réunion. Hop là, rapide comme l'éclair. Ah oui, j'ai vu. Ah, vous êtes un peu sur une place, les gars, on a un peu besoin de... Je m'en vais, je m'en vais, pas de problème. Ça prend 5 minutes, hein. Je sais pas qui c'est lui, mais fais attention, hein. Je suis pas son copain. Oui, t'inquiète pas. Louis, par contre, il faudra qu'on le soulève, il a pas les bonnes couleurs de voiture. Voilà. Il avait le même veste que le type qu'on a soulevé hier. Étonnant. Oui, très étonnant même. Bon, ça s'est roulé ou pas ça? Ouh là 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 là. Il faut repasser le permis en face là. Hein. Ouh là, ah, madame, monsieur, il faut apprendre à reconduire, hein. Ah, c'est un PD, c'est pour ça, elle est tombée. Oui, il avait un t-shirt très très rose, ça m'a piqué les yeux, dis donc. Ouais. Ah, je te revaudrai ça, Titi, c'est gentil de ta part. Gauche, 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 ok. Non, je passe derrière, et ça m'évite de rentrer en marche arrière et de galérer, tu vois. Ah, ok. C'est l'entrée des artistes, par derrière, tu connais. Ah, tu te la pètes un peu, je trouve. Hein. Ah, c'était juste pour le plaisir, ça. Ah, j'avais bien compris. Allez. Nickel.
Ah super. Qu'est-ce qu'il y a? Super. On a raté le but, on a raté le boss. Si si. Ah merde. Bon, il doit faire un petit sieste, je pense, rien de grave. Non, il est parti s'habiller. Ah bouge pas, très grave. Il est parti s'habiller à côté, c'est pas très grave, ça va aller vite. C'est tranquille. Ah, tu as changé ton veste, elle te va bien. Tu veux? Ah oui. C'est vrai. T'as bien mes claquettes? Ah, elles sont magnifiques tes claquettes. D'ailleurs, j'ai cru que tu lui avais mis un petit coup, Antonio, de claquettes dans les dents tout à l'heure. J'ai pas testé les claquettes encore sur lui, il faut que je teste. J'ai tout testé la batte. Ah, j'ai raté ça? J'ai raté la batte? Ah, je voulais l'expérience sociale et j'avais le GoPro, je suis triste. Alors, tu as achevé en un coup, pas? Ouais, un seul. Ça fait bonk? Ça fait quel bruit? Ouais, ça va. Ça fait poc? Ah, si ça fait pas poc, ça veut dire qu'il y a un os dans sa tête. Oh putain. Aïe aïe aïe. Après j'ai voulu lui dire expérience sociale, on t'a piégé mais il ne répondait plus. Ah ouais, c'est triste. C'est bête, je voulais l'avoir en vidéo, tu vois. Je voulais avoir un petit souvenir, tu vois, avec la GoPro. C'est triste. Bon, c'est pas grave. On pourra le refaire au pire. Tu lui as cassé les dents ou pas au passage? Non, j'ai laissé. Ah, toi tapé derrière. Bah, faut quand même laisser les dents. Après... Bah, s'il avait tapé dans la bouche, il y a une dent qui aurait sauté, tu vois. Non, on repart de soirée après, s'il sourit, il n'y a pas de dents. Ouais. C'est triste, oui, c'est vrai. Tu as raison. Excusez-moi. Ah, le retour du boss, non? Ah, bah non. C'est Pablo, ça, non? Oh, c'est moi, il boite. Qu'est-ce qui t'est arrivé, Pablo? J'ai eu un petit accident. Ah, ça se voit, bordel. Aïe, aïe, aïe. Je voulais aller au pompier, il y avait putain, il y avait personne. Aux ambulances, il y avait personne. Eh non, il y avait personne. Aïe, aïe, aïe. Dis-moi, Miguel, est-ce qu'on ferait pas un petit topo pour savoir comment tous ces gentils messieurs vont se placer une fois le rendez-vous arrivé? C'est qui l'a pris? Ben, comme hier. Ouais, attends, je vais voir. Je sais pas, c'est pour ça que je demande à Miguel. Oh là, attention. Wow. Aïe! Oh, oula! J'ai pas compris. Attends, je t'entends pas, Miguel, hein, si jamais prends un pastille. À moins que... je peux parler, là. Ah, ok, excuse-moi, je pensais tout parler, je t'entendais pas. Non, non. Et du coup, tu les placeras comme hier, c'est ça? Je sais pas, on verra, en fait, ça dépend du truc, mais je pense que ouais. Ok. Oh, Titi! Titi, tu as le joint plié? Non, tranquille, c'est normal. D'accord. Titi, t'as pas un joint pour moi aussi? Si, j'en ai un. Ouais, bon, moi je vais. J'ai éteint le cigare tout à l'heure que j'ai demandé à mon frère et je c'est vais bon prendre pour toi, le. Ouais, t'es comment? Parfait, t'inquiète, allez. Allez, je vais monter derrière. Ah, c'est joli, on va descendre. Allez, c'est les gros. Attention, Pablo, fais gaffe. Tu vas te faire éclater la gueule. Tu ouvres? Tiens, je te soigne, bougez pas, je te mets le doigt dans l'œil, ça ira mieux après. Titi, tu veux que je te caresse les yeux avec mon doigt aussi? Non, j'ai l'impression que tu vas me le crever plutôt. Mais non, je suis pas comme ça, j'ai l'air cruel ou quoi? Ah non, mais bon, soigner en mettant un doigt dans l'œil. J'ai dit caresser ton œil, j'ai pas dit te le crever. Ah, c'est suspect. Diego, tu veux que je te caresse l'œil avec mon doigt? Allez, vas-y. Ah, regarde, tu vois? Ça fait du bien. Tu vois? Ah ouais, quelle sensation. Tu vois, je suis pas brutal. Lui, il croit que je vais lui crever l'œil. Ah, le boss. Tu donneras ça au boss. Ah bah tu vois, t'aurais attendu 5 secondes et t'aurais pu lui donner toi-même. Putain, ouais. Ok, les beaux. J'ai donné l'argent à Johnny. Ok, donne-moi tout ce que vous avez là, hop. Titi, je t'offrirai un petit coup à boire au pub irlandais à l'occasion, d'accord? Ok, parfait. Je te revoudrai ça, t'en fais pas. Oui, bah ce sera cadeau le petit verre aussi. Je t'offrirai le balade jusque là-haut et on ira boire un verre là-haut. 12 000 c'est bon, 12 000 c'est carré. 12 000 c'est bon, ouais. Tu as un chewing-gum, Pablo? Ok, parfait. Pablo, il adore les chewing-gums, il a tout le temps. Ah, il a un gros paquet d'Hollywood sous la chaussure, je crois. Ok, à moins que ce soit Fridan, vous, comment il s'accole? Bah oui, c'est bizarre, moi j'ai tout le temps des chewing-gums comme ça.
personne. Ah ouais, je sais pas, regarde dans tes poches et tout, peut-être un paquet percé. Mais non, qu'est-ce que vous avez comme par terre? Ah, pas de soucis. T'inquiète. Ok, attends, je vais envoyer 2-3 Reddit et puis on se met en route. En place, tu veux dire? Pablo, il a répondu au Reddit, j'ai pas le temps de regarder. Il a répondu, Carter Juarez. Il est prêt? On le soulève, hein. Qui ça, on soulève qui? Lui qui sera pas là dans 5 minutes. Ah! Oui, je comprends. Heureusement, je suis là. Ah, s'il avait su qu'on allait me soulever, je serais pas venu. Ah, toi, aimes te faire soulever, hein? Ah, peut-être. Hein. Qu'est-ce que c'est? Ah, putain. Oh, vous abusez, les gars. Bah, quoi? C'est lui qui dit que s'il avait su qu'il se ferait soulever, il serait pas venu. C'est pas ma faute. Y'a Mia, c'est pas de sa faute, hein. Ok. T'es où? Oh, y'a du passage là, y'a du passage là. Il reste que mon frère là. Et bah, il est là. Ok, on est combien de personnes là en total? Compte tout le monde. Ouais. Regarde. On est 8. Mais c'est qui là-bas là qui a fait une trace partout? On est 8. Ah putain. Je crois qu'il a un problème avec la tenue, il a un bon frère. Il l'aime beaucoup, son Bob. Ok, Johnny, toi tu as le flingue? Non, j'ai pas. Prends ton flingue avec toi. C'est où? Dans la Audi, oh là, tu l'as mis, non? Ça sent la scorpion, ça rigole plus là. Non, c'est une. C'est beau. C'est une Uzi, ça, c'est pas un scorpion. Tu l'as mis dans, ah, la... dans la Audi, je crois, Miguel. Hermano, sors la Audi. Ah ouais, ok, attends, je te sors ça. Dites-moi, vous aimez moins cigare? Il est bien, mais il est bien aussi, gars. Ah, fais gaffe, hein. Ouais, mais... Ouais, bon, il est éteint, mais... Oh, bah... Marche beaucoup. Ça fait plaisir. C'est un bon cigare de la Havane, tu vois. Tu peux tirer, mais tu peux pas montrer, hein. Comment? De quoi? Ah, regarde, c'est bon, je peux dire après. Quel truc? Ah. Bon cigare de la Havane. Je l'ai demandé à mon frère, il m'en a donné un, alors qu'il donnait jamais son cigare, normalement. Ah, c'était son cigare? Non, c'est pas son cigare, mais... Le cigare à moustache de la Havane, hein? Non, tu l'as... Non, bah, tu te fous de ma gueule. Je te permets pas, s'il te plaît. Mais merci de m'avoir donné un cigare. Quoi? Ok. Je te la redonnerai après. On est combien, les gars? On est combien? Comment tu t'es pas besoin de le dire, t'inquiète. On est combien, là? 8 ou 9? On est... C'est pas 8 ou 9, je veux une réponse exacte. On est 9, avec toi. On est 9, ah, Pablo, je suis comme plus d'un entrée collé là. Oh, gros paquet de chewing-gum, hein, je sais pas qu'est-ce qu'il a. Mais putain, j'en ai marre des chewing-gum. Il y en a souvent, Pablo. Alors, comment tu as prévu? J'attends le paquet de Fridan qui est troué dans ta poche. Mais bien sûr, attends, tiens, je te le donne, tiens. Non, j'en veux pas, non. Jette-le par terre ou dans une poubelle, je veux pas, je veux pas coller. Gueule. Je fais un peu de la gueule de moi, ça. Non, mais. Ah, oui, c'est vrai que tu pousses de la gueule, oui. Tony, j'en pense quoi? Quoi, Armano? On fait un Raptor. Mercedes et deux motos. Pourquoi? Pour aller où? Ok, ça me va. Pour aller chez les rouges? Non, là on va voir. Ah, j'étais pas au courant. Une seule moto ça. Ou deux motos? Deux motos. Deux, ah, deux motos, okay. Mais on va où là? Ou au pire on prend deux Raptors et une Mercedes. Je sais pas. Mais on va où là? Allô? Attends, ouais. Attends. Attends, Franck. Ah, j'entends les poyos là, hein. Oui, bah on est chez nous, qu'est-ce qu'il y a? C'est pas pour nous, va. Ah, y'a les poyos là? Y'en a un de vous qui veut faire le malin? Non, mais je parle des poyos. Oui, j'essaie. J'ai déjà vu la démonstration dans une jambe à quelqu'un, je veux pas prendre la même. Ah, je comprends. Non, c'était deux doigts, c'était pas... Il y avait deux doigts, oui. Non, mais non, je parle pas de cette fois-ci, moi, je parle à un parking. Il y en a, il s'est pris une balle dans la cuisse. C'était Franck. Ah bon? Ah ouais, peut-être c'était Franck. Oui, c'est moi, oui, ça fait... Eh, écoutez, les gars, quand vous aurez une balle dans la jambe qui vaut 5000 euros, vous la fermerez, d'accord? Ça me fait chier quand même. Oui, ça me... Bah, ça m'en fait chier, hein, mais ça... la balle, elle coûte plus cher que le chargeur, alors ouais, t'as un problème? T'as eu mal, moi je préfère pas la prendre, quoi, tu vois. Ouais, et tu crois que c'est la première balle que je prends de ma vie? Ah, rien. De vous à moi. La rue d'Avray, hein. Bon, voilà. Tu te rappelles pas qu'il a pris une balle de l'escadron, là? Bien placée entre les coronesses. Non, justement, je les ai toujours et elles dansent bien, crois-moi.
C'est un aimant, Franck, t'inquiète. Bon, les gars, moi je dis on sort de Raptor et une Mercedes, on sort pas de moto. Je veux juste à savoir où est-ce qu'on va là, c'est quoi? Tony, on va où? 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est manque une personne, hein? Non, c'est bon, y'a tout le monde, je crois. Tu m'as dit. Y'a Matrix aussi, il est où lui? T'as dit on est 9 avec, plus avec, de avec toi, oui. Non, je dis on est 9 avec toi. Avec moi, ok, dedans, ok. Ok, ça marche, alors ouais, alors attends, ça fait 3 par Raptor, ça fait... 2 Raptors et Mercedes, 3 par Raptor avec la Mercedes, non? Ouais, 2 Raptors et Mercedes, c'est bon. C'est ça, c'est ouais, ça, Miguel. Les gars, carré. Ça fait pas plus violent les BF, là? Non, ça fait pas violent. T'as vu, y'a personne qui parle, sauf lui. Je crois qu'il a pas compris le principe de recevoir un ordre. Franck, tu penses me prendre 2 Raptors et une Mercedes? 3 par Raptor avec toi, moi et le boss dans un Mercedes, ça me paraît pas mal, qu'est-ce que tu en penses? Ouais. Mais par contre, Tony, attends. Tony, tu as la position? Oula, 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 oula! On a de la visite, hein? Putain, frère, c'est la pègre. Bah oui! Putain, c'est déjà la pègre. Bah, c'est l'heure, qu'est-ce que tu crois? Ah ouais, c'est l'heure, hermano. Allez, je vous attends, venez tous vous placer là à la piscine. Hop. Bonsoir. Vous allez bien, très bien. Venez entrer, allez-y. Impeccable. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Vous allez bien? Impeccable, et vous? Bah, très bien, très bien. Bonsoir, monsieur. Après vous. Merci bien. Bonsoir. Bonsoir, chère madame. Bonsoir. Messieurs. Bonsoir. Bonsoir, mademoiselle. Bonsoir. Reste devant là. Mets-toi comme ton collègue à côté. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, bonsoir. J'ai pris un peu par le temps, j'ai oublié de vous ajouter un élément à la commande, mais bon, c'est pas grave, on pourra faire ça a posteriori si c'est pas possible tout de suite. Je voulais ajouter un 9 mm à la commande, en avoir 2 plutôt que 3. Je sais pas si c'est encore faisable ou si vous avez ça avec vous ou s'il faut reporter pour ce troisième. Non, j'ai pas pris un surplus. Ok, c'est pas grave, on va faire pour les deux éléments, alors c'est pas grave, et alors on se reverra dans quelques jours pour un complément de commande, un renouvellement de la commande, pardon. D'accord, y a pas de souci. Ou alors, si moi ça me dérange pas, la mallette il contient l'argent nécessaire. Pour 3 ? Pour 3, vous me le donnez demain, même demain, c'est pas, on se croise et. Je peux me repasser plus tard dans la soirée pour vous déposer. Hein. Ouais, vous repassez plus tard, tout à fait. D'accord. C'est très gentil de votre part. Donc là, vous avez 1,2 million dans la mallette? C'est ça. Ok, bah on fait ça, je vous rapporte dans la soirée le troisième. Super. Du coup, j'en Carlito donne un à qui, le premier? Je peux la récupérer. Vous donner à mes deux... Carlito, descend dans la piscine. Alors, ok. Ouais, attendez, Carlito. Tu l'as reçu? Non, je l'ai pas. Et le deuxième, vous donnez au monsieur derrière moi. Non mais tu l'as reçu, Franck, ou pas? Non, je l'ai pas. Le premier, je l'ai pas donné. Ah, okay. C'est à qui? Moi, mon chapeau. Non, mon chapeau aussi. Ok. Vous avez mis un très bon parfum. L'envoûte toute la piscine, là. C'est le Kevlar qui sont comme ça. Faudra me donner la référence si je peux le trouver, alors. Merci bien. On vous remercie, madame. Pas de soucis. Attendez, Vous avez pas de munitions? Je crois pas, bougez pas, je regarde dans mon poche. Non, j'ai pas les munitions. S'il vous plaît. Merci beaucoup, madame. De rien. Prends l'argent, l'ancien. Ok. Ok, je te donne ça. Et sans trop tarder, je vous rapporterai le troisième. Et dites-moi, hier alors, du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, on a eu pas mal de visites. Je crois que les gens, ils nous aimaient bien, hein, c'est pas possible. Ils sont passés là, 10 personnes ici. Mais en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Je vous explique. On a eu un petit problème avec l'Irish Mob hier.
du fait que je... Ouais. En fait, je crois qu'il... J'ai pas très bien compris l'histoire, mais en fait, il y a une personne qui prétendait travailler pour moi sur les points de coca. Or, c'est complètement faux parce que j'exploite pas les points de cocaïne, j'exploite uniquement les points d'opium et de meth. Donc, cette information était complètement fausse. Du coup, ils ont essayé de me tendre un guet-apens en me faisant appeler une personne qui se faisait passer pour une personne avec qui j'avais traité des contrats, ce qui était faux. J'avais senti le poisson arriver à des kilomètres. Je savais que c'était c'était l'Irish Mob qui était derrière tout ça, mais j'ai quand même pris l'initiative de me rendre au rendez-vous pour éclaircir cette histoire. Du coup, arrivé au rendez-vous, on s'est fait mettre en joue par les hommes de l'Irish Mob qui ont même tiré sur un de mes gars qui a été grièvement blessé. Et finalement, j'ai pu leur prouver par A plus B qu'il s'agissait d'un complot et que les informations qu'ils avaient étaient complètement erronées. Ils ont eu les justifications de tout ça, toutes les preuves. Du coup, ils ont accepté de revenir en arrière sur leur démarche. Mais du coup, ils nous ont demandé en premier lieu la mission de rattraper, parce que la personne qui avait communiqué les fausses informations, on ne sait pas d'où elle vient, mais elle avait réussi à s'échapper de ce rendez-vous. Du coup, ils nous avaient confié la mission de récupérer cette personne. Donc c'est ce qu'on a fait dans le soir même, on a remis la main sur cette personne et on les a livrés à l'Irish Mob. Mais de ce fait, le patron de l'Irish Mob s'est pas contenté de cette mission. Au final, il m'a demandé en plus de convoquer la Dame en Noir et la Pègre par la même occasion, du coup, chez moi, ici, en ces lieux, pour une réunion business. Et donc voilà, je lui avais dit que je n'allais plus tolérer le manque de respect sous mon toit, que de toute façon, quitte à ce que tous mes hommes y restent, j'avais pris la décision qu'on ouvrirait le feu s'il y avait le moindre manque de respect ou si ça commençait à tirer. Ils se prennent un petit peu trop pour de haut, ces personnes, j'ai l'impression. Du coup, le milieu était là aussi, le milieu s'est invité également à la fête. Et du coup, le milieu, il s'est engagé devant le milieu et nous-mêmes de ne rien faire d'irrespectueux et encore moins d'ouvrir le feu dès qu'il vous verrait. Je ne sais pas quel était l'objet de sa demande pour vous voir. Mais en tout cas, il a donné sa parole que si vous veniez hier, il ne ferait rien qui pourrait être compromettant pour le business et voulait simplement parler de business avec vous. Après, j'en sais pas plus, mais en tout cas, j'étais prêt à assurer votre protection. Et le milieu, quand même, était témoin de l'engagement qu'avait pris le boss de la Irish Mob. Je comprends bien. Du coup, vous avez été indisponible, donc on a reporté le rendez-vous, mais j'ai pas eu de proposition de date de ce fait. Ok, mais c'est pas grave, on va essayer de voir ces messieurs. Vous inquiétez pas. Ok, comme ça, vous avez toutes les informations de votre côté. Oui, c'est super, faites attention à vous. Comme toujours. Et de toute façon, on se revoit assez vite dans la soirée pour le 3ème millimètre. Ok, je vous attends avec impatience. Il n'y a pas de soucis. Oh, ok. Je vous ferai un petit message juste avant de passer. Super. Vous avez de votre côté, là, le conseillère et le bras droit, là, c'est ok pour... Oui, c'est bon. Vous avez la marchandise, parfait. Écoutez, alors, on se revoit dans... Voilà, dès que vous êtes disponible, je serai à votre disposition, chère dame en noir. Parfait. On se dit dans la soirée alors. Ok, faites attention à vous également. Parfait, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Oh. Bonne soirée. Passez une bonne soirée, messieurs, dames. Bonne soirée à vous. Bonne soirée. Les gars, c'est qui avait les bras croisés? Je sais pas, c'est pas moi. Ouais, c'est pas grave que les autres aient les bras croisés, tu t'en bats les couilles, mais nous on veut pas qu'on croise les bras parce que ça fait des problèmes.
Voilà, je te l'ai dit. Boss, est-ce que tu veux, boss, est-ce que tu veux le récupérer ou est-ce que je le mets dans le coffre de ma deuxième voiture au cas où. Non, non, ça, il revient dans le coffre de nos voitures, viens. Pour les rendez-vous, tu le gardes sur toi, pour les rendez-vous qu'on a maintenant, mais avant de partir, tu le remettras dans le coffre. Très bien, il faut que je le charge peut-être. Il est pas chargé. Non, j'ai les munitions, mais il est pas chargé. La charge, bien. Vas-y, quoi? Tire pas sur quelqu'un. Évidemment, pour qui tu me prends. Attention à courir, il y a pas qu'une arme. Ah, ça y est, ils ont compris. Ok, dans ce... il faut le charger du coup le pistolet. Ouais, ouais, ils me l'ont donné, mais avec les munitions, mais il est pas chargé. Moi aussi. Ah bah voilà. Attends. C'est bon, je vais le charger. Faut que tu utilises le chargeur. Ouais, il est chargé en fait. Ah, il est chargé, moi il était vide. Il y a des balles en chargeur. Mais frère, mais c'est qui? J'ai ma petite idée sur ce que c'est déjà. De quoi, qu'est-ce qui se passe? Avec son petit collier, toujours c'est... Mets-toi au milieu, frérot. Qu'est-ce qui se passe encore? En fait, j'ai pas mis la radio. C'est 287, c'est ça, boss? Mets-toi en ligne. Tu vois bien qu'il y a une ligne. Boss? Je suis en ligne, frérot. Le gars, vous me confirmez 287 fréquences? C'est ça. Merci. 287. On enlève les masques, on les garde. Vous pouvez vous démasquer. Donc les gars, y a pas de soucis, vous pouvez rester les bras croisés aussi, sans les bras croisés, hein, vous inquiétez pas. Faut juste pas prendre l'initiative, laissez d'abord eux les bras croisés, après... Bon, ok. Vous êtes tous prêts? Attends. Oui, oui. Moi je pense qu'après, avec n'importe qui, on peut mettre cette position là. Attendez, je vous fais voir. Comment? Celle-là. Ouais, oui, bien sûr, c'est parfait. C'est ça, donc par les bras croisés, comme ils avaient deux ou trois de chez eux. Ouais, je sais, j'ai vu. Un bras croisé, pour le moment, vous évitez tous. Okay. Mais comme tu viens de les mettre, Diego, c'est pas un problème, voilà. Ça c'est bon. Le tout, c'est que vous soyez accordés. Vous le faites tous ou vous le faites personne? Soyez personne qui le fait, sauf faites tous comme il a fait Diego. Carlito. Je sais pas si c'est Diego. C'est Diego. Trix, c'est toi? Moi, c'est moi. Ok, toi tu as chargé ton arme. Attends, bougez pas. Hop, toi un petit truc sur donc, la lunette. Carlito? Oui, mon arme est chargée, mon frère. Toi un chewing-gum. Faudrait que tu fasses un truc dans ta tenue pour que je puisse te reconnaître. Ouais, ça marche. Soit dans ton masque, soit dans un truc pour que je te reconnaisse. En fait, toi tu pourras mettre le masque. Mets ton masque, John. Non, moi je vais pas le masque là. J'ai un autre masque. Mais alors. Tu mettras ça, regarde. Hop, la cagoule. Celle-là. Attends, montre-moi ton masque, John. Tu mettras celle-là. Ah, j'ai pas le bon là, Tony. Là, j'ai ça. Ah, ok. En fait, toi, regarde, tu mets le même masque que. Regarde, qu'un des sbires qui mettait son masque là. Non, attends, au pire, il met le même masque que. Moi. Les hommes de main, le même que ça ira, ça sera parfait. Ok, ouais, tu mets le même rond. Tu le mets le rond. Okay, comme et ça, les autres, toi, ils ont des capotes, on va les reconnaître. Ok. Ok, du coup, on se met en route, les gars. Wow là, concret. Wow là. Là, je laisse les hommes de main faire le briefing. Ouais, Tony, moi, j'ai pas l'information, mon frère. Moi non plus, hein. Tony, on va pas l'information. Mais tu as pas expliqué, Johnny, où on va là? On va voir le cartel, mais j'ai pas eu le temps, ils sont venus de la pègre. Voilà, bah, tu expliques leur alors. Un brief cartel, rapide. Là. Voilà, on va aller. Bon, les gars, aujourd'hui, Pablo il est en train de charbonner sur le point de mettre. Il y a des gens, ils ont voulu nous rencontrer. Et c'est un cartel, on les connaît pas encore, on va aller faire connaissance avec eux. Ok. C'est bon pour vous? Très bien, ça marche. Écouteur à terre. Théoriquement, ça sera pas hostile parce que sur les points, ils se sont montrés. Si je me trompe pas, Trix, si je peux me permettre, Trix, enlève tes lunettes quand tu mets ton capote. Bien sûr, bien sûr. Sera sympathique. Attends, Carlito, il voulait juste vous parler. Là, voilà, merci. Quand tu mettras ton cagoule, pense juste à l'enlever. Je conduis la voiture. Merci. Ok. Carlito, mets le truc. Non. C'est 3 par Raptor. Ah, ok. 3 par Raptor, et moi, le boss et Miguel, on est sur la Mercedes. Et c'est Miguel qui conduit. Désolé, hein. Non, t'inquiète. C'est bon? Oui. Miguel, je te laisse le volant de la Mercedes. J'ai un temps de sortie, j'en peux pire. Frank, du coup, on prend pas le... On prend la Mercedes de Bobby, hein. Deux par Raptor.
2 Raptors, 3 par véhicule. Vérifie que la RSAT est fermée. Oui, je m'en occupe. Non, c'est 3 par Raptor et 3 dans la Mercedes parce qu'on est là. C'est bon mon frère, elle est verrouillée. Tu veux que je conduis? Vas-y, vas-y, t'inquiète. Moi je voulais te laisser le volant, mais ok. À l'ancienne, moi, Arman. Alors, il faut... Non, il y a un mec derrière. J'ai besoin de la position, oui. Derrière, t'as pas le masque? Les gars, personne ne met leur masque. Alors on y va, vous mettez vos mains, ils mettront les masques, on leur annonce radio, hein. Tony, il manque un Raptor, hein. Attends, attends, ah, il manque un Raptor, ok. Est-ce qu'on fait un convoi avec un Raptor devant, nous au milieu et un Raptor derrière? Ouais, c'est ça, on va faire ça. Nickel. Il faudrait que... Donc, mon frère, mais... Oui, c'est ça. Normalement, oui. Mon frère, mets le position à au moins un des deux Raptors qui passait devant. Les gars, il y a personne qui est masqué, on est d'accord? Non, c'est bon, c'est bon. Oula, on va loin. Ah, c'est un cartel, hein, ils doivent être dans le sud normalement. Oula, c'est un peu très loin ça. Oui. Bon, les gars, tranquille, hein. Après, sur l'autoroute, on pourra charbonner, mais. Non, non, c'est pas moi qui. Mais pourquoi tu sors? Mais c'est pas moi qui vais devant, tout de bas, là, laisse, descends. Voilà. Excusez-moi. Allez, let's go. Vamos. Les gars, le Raptor de derrière, mettez bien vos... C'est qui conduit le Raptor derrière? T'as dit quoi? J'ai pas entendu. C'est qui conduit le Raptor derrière? C'est Diego. C'est qui? C'est Diego. Ok, bah roulez tranquille, les gars, on prenne notre tour. Oh, t'inquiète. Je la mets distance de sécurité. C'est bon les gars, on est trop par voiture là. C'est nickel. Mais par contre, on n'est pas crédible pour une cité, hein. Non, non, mais ça on va devoir regarder parce qu'on est trop... On va discuter de ça quand sera le moment. On a un gang, je sais pas si on peut se considérer. On va voir ça. Tu as pensé à vérifier l'essence des véhicules? Il est plein. Très bien. Ouais, moi je descends. Putain, j'ai Kyo qui croit que je vais aller le voir maintenant, il est fou celui-là. Kyo, c'est qui? C'est les rouges? Kyo, c'est le flic là. Il croit que j'ai que ça à faire. Les gars, c'est bien, je m'en parle là, vous êtes bien. Tu vas peut-être à propre vitre, mon frère. On va t'arrêter à la station à droite. Ouais, le rapport derrière. Tony, le Raptor, on peut pas le modifier, on est d'accord? Si, on peut le modifier, Armano. Tu peux lui mettre, tu vois, les trucs sur des lampes sur le toit, tu peux lui mettre des gros bacs en acier sur la benne à l'arrière. Tu peux mettre des pare-chocs où il n'y a pas de plaque aussi. Pourquoi les véhicules Bitcoin on pouvait pas changer?
Si, le Raptor qui peut, il a plein de... Il a plein de... C'est bon les gars. Il a plein de choses, plein d'accessoires le Raptor. D'ailleurs c'est prévu mais ça coûte un pont là, avec les achats d'armes, j'ai pas le temps de les customiser. Mon frère, tu es armé et toi aussi Miguel. Ouais. Tous les hauts gradés sont armés là, il y a Johnny qui est armé, il y a toi et il y a Carlito. Oubliez pas qu'en fin de soirée tout le monde est... Oui bien sûr, évidemment, c'est évident mon frère. Franck, mets le limitateur à 120. Voilà, nickel. Regarde, tout le monde roule pile pour la 120. Wow, je suis à 120. C'est quoi, un étranger ça? Le Raptor de Rennes, c'est un 120. Ouais, t'inquiète. Il est pas à 120 devant là. Si, si, si. Il est à 121, mais... Moi je suis à 120 pile. Regarde, c'est le premier pas que j'ai. Ça m'attriste tellement d'entendre le moteur crier comme ça. C'est la première fois de ma vie que je vais voir un cartel là. Ah, dans le passé j'ai fait affaire avec des cartels et ils sont pas tous très gentils. Là, depuis que je suis arrivé en ville, par contre, oui, je suis comme toi et c'est la première fois. Les gars, dès que je vous donne mon signal radio, ça va faire son moment de musique. Ok, ok. Il roule plus vite que moi là-bas. Il est pas à 120 que moi. Je suis à 121. Putain! Je vais vous mettre à 120. Non. Désolé, je préfère ralentir, j'avoue qu'il avait ralenti fort. Ah y'a les gars, 23h, j'ai un peu de temps. Bah il a ralenti devant. Est-ce qu'on s'arrête maintenant ou pas pour se masquer? Perdre patience, enfin, un petit message pour dire qu'on arrive bientôt là. Arrête, t'inquiète pas. Masque-toi et avance, t'inquiète, là, il s'en va. Moi, c'est bon. Hein. C'est bon, on va faire que tout le monde est masqué, les gars. Dans notre rapport devant, oui. Dans mon véhicule derrière, ouais. Faites attention, on va à gauche. Un Raptor de chaque côté, la Mercedes au milieu. Tourne à gauche. Ah les gars, tu prends le chemin de terre là. Prenez le chemin de terre, ok. Là. Les gars, dès qu'on s'arrête, la Mercedes. Tout doucement. Oui, t'inquiète pas. Doucement le Raptor ici. Les gars, dès qu'on s'arrête, il y a la Mercedes devant et les deux Raptors à droite à gauche. Un peu plus loin. Ouais, comme d'hab. Arrêtez-vous là au milieu de... Mettez-vous dans le sens prêt à partir. Prêt à partir, autre sens. Attendez, la Mercedes, elle se gare et après c'est bon. Voilà. Attends, recule un peu. Recule le Raptor. Recule le Raptor. Là, nickel. C'est bon, stop. Restez dans le véhicule, les gars.
Attendez, ils ont dit qu'il était... Attendez, je vous dis... Ce serait pas mieux que les chefs se mettent devant et l'autre se mettent derrière? On est en haut des escaliers, quelqu'un va venir nous chercher. Ouais, 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 on les attend, on les attend. Connu, tu veux que je sors, je vais aux escaliers pour voir ce qui se passe. On attend, on attend. La patience est une vertu, les amis. Mais il me parle, hein, donc t'inquiète pas. Ok, on descend, on se met tous alignés là, comme on doit être. Ils vont parler par derrière, Tony? J'en sais rien, hermano. Peut-être il vaut mieux se mettre de l'autre côté, oui. Attends, juste je check dans les escaliers, Tony. Personne me suit, personne me suit. Devant les raptors, mais... En ligne, oui. Carlito, t'es où et où? Ouais, je pense qu'ils vont arriver par là, les gars, y'a personne ici. Je suis là, quoi. Mets-toi devant le Mercedes, là. Les gars, je vais une belle... Tout le monde m'entend, les gars, je vais une belle ligne devant la Merco ici là. Un bateau. Ah oui, il y a un bateau là. Dans ce que... Là, mettez-vous tous en ligne derrière les raptors, okay. On va les attendre là, on démarche. Prenez la pause. Allez, alignez-vous tout de suite là, belle ligne directe là. Allez, hop, ça saute. Voilà, restez comme ça. C'est bon, restez comme ça, bougez pas. Avance un tout petit peu, Miguel. Voilà, Miguel. Après, c'est qui au milieu, Miguel? Non, pas Miguel. Ouais. Bonsoir. Ouais, bonjour. On est venu. On est armé, mais on est pacifique. Oui, j'ai que le comprendre. Venez, suivez-moi. Attends, fermez tout ça. Les hommes, on les laisse là? C'est pas du tout. Non, c'est pas. Ah, ok, tout le monde. Suivez, Miguel, l'espace est le boss. Vas-y, boss. Vas-y. Tous les véhicules sont fermés. Ok, parfait, peut nous rejoindre. Vous faites la même les gars derrière là. Dès que j'ai arrêté, vous faites la même. On va visiter Caillou ou quoi? Fais quoi, John? On est invité à bord? Si, claro, allez-y, montez. Vas-y, boss. Allez, on va faire un petit aller-retour parce que j'imagine qu'il n'y a pas assez de place.
Allez-y, installez-vous. Ça va tranquillo, c'est vous, Grotoni? Ça va très très bien, monsieur. Enchanté de vous rencontrer. Enchanté aussi. En plus, vous avez sorti le grand jeu, hein? Et on aime bien se balader comme ça. Ah, ce petit tour là, il fait plaisir. J'adore la mer. Ça fait toujours du bien. Attendez les deux restants sur le ponton, s'il vous plaît. Vous attendez tous sur le ponton, vous nous attendez. Ça va. Wow, c'est une bombe ce truc là. Ah oui. Attention, Roger. Ota. Ça secoue. Je vous laisse nous attendre en haut. On va aller chercher problème. Vos autres compagnons aussi. Restez sur le ponton, ils viennent vous chercher les amis. Donc attendez-les là au ponton. Là. Ils viennent tous vous chercher. Arrêtez pas tout de suite. Ah, et moi qui rêvais de venir à... C'est quoi ici? C'est Caillou ici? Ouais, je suis pas sûr. Je pensais pas que c'est Caillou ça. Ah, oh, stop. Là, les gars, vas-y. On va attendre le reste de l'équipe. Une belle ligne, les gars. Les gars, j'espère que j'aime ça, que 23h. Je vais me faire soulever par les mecs là. Aïe aïe aïe. C'est avec qui que tu as rendez-vous? On est avec un monsieur, je peux pas te dire. Quoi. Ah, je comprends. Après, moi je peux pas partir trop tard non plus. J'ai une mission très importante demain, tu vois. Ouais, bon, 23h, j'arrête. Ah. Tu arrêteras quand on aura fini le rendez-vous. Ouais, il y en a encore un après celui-là, hein. Ouais, mais les rouges peut-être seront pas là ce soir, tu vois. C'est possible, c'est pas possible. Ce sont toujours les abonnés absents. Voilà, seigneur. Venez, on va aller près du feu. On va se sécher un peu. Après toi, boss. Ah, c'est très bien. On se met au cercle. On se met derrière. Alors. Bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir. Du coup, vous, c'est la crème, votre là. C'est bien ça, c'est bien ça, seigneur. Enchanté. Enchanté. Alors, on se présente, nous sommes le cartel de Juarez. Ah, j'avais pu comprendre via les messages Reddit, j'avais pu comprendre. Si, si, si. On est un cartel mexicain qui vient de s'implanter ici en France pour essayer d'établir un business en Europe. Et du coup, on passe par les premières portes d'entrée de la drogue, les grands ports, la France, Espagne, ce genre de choses. Ok, je comprends. Du coup, quelles sont vos activités par rapport au point, par exemple, sur le point de la Mette, pour reparler de celui-là, vu que c'est là que vous êtes tombé sur mes hommes aujourd'hui. Vous êtes quoi? Vous êtes sous contrat avec les propriétaires? Si, exactement. On travaille, et on a un contrat un peu spécifique, on a un accord. C'est, comment dire, notre premier pas ici en France. Du coup, il faut bien s'acclimatiser avec... Les organisations qui travaillent ici et qui tiennent le travail, vous voyez. Ouais, je comprends. Du coup, c'est vous qui gérez les nettoyages de zones et ce genre de choses? C'est une de nos activités ici. Ok. Et par rapport à ce point, quelles ont été vos instructions, alors, si je peux me permettre?
Ça, on en parlera après. C'est... On verra. On discutera après. Ok. Et vous présentez-vous, quelles sont vos activités? Nous sommes la CRIM. Nous sommes un groupe de criminels motivés, on va dire, par le. En ce moment, on est très fortement motivés par le fait de, d'amasser très très vite une grosse fortune pour des projets, divers projets de business que nous avons à court, moyen terme. Donc, ici, nous sommes là, grosso modo, pour gagner un maximum d'argent en très peu de temps. Ça, c'est l'objectif numéro un. Par quel biais on y arrive? Par justement, notamment l'exploitation de différents points de drogue, comme celui de la Meth, sur lequel on est actuellement en contrat avec les propriétaires des lieux. On exploite aussi également pour l'instant l'opium, qui sont les deux zones d'activité principales de la CRIM en ce moment. J'espère que vous kiffez, les gars. Ensuite, on fait également d'autres activités du Je type. Parle pas beaucoup pour que vous puissiez profiter. Voilà, on est des bandits avant tout, donc on procède à du racket, du recel, des rançons, contrats d'assassinat, ce genre de choses, c'est dans nos cordes. Donc voilà, c'est comme ça, je crois que je vous ai fait un petit topo rapide, le petit résumé un peu de qui on est. Ok, perfecto. Pas de braquage? Si, bien sûr, le braquage évidemment. Braquage, okay. Braquage, assassinat, racket, recel, tout ce qui peut nous rapporter de l'argent très vite, on le prend. Ça nécessite des armes à toutes ces activités? Permettre. En armes, pour l'instant, on a quand même un peu d'équipement. Hey, you also. Yeah. Et on est encore en train de recevoir pas mal pour l'instant. Donc, on va dire, pour l'instant, en tout cas, on est bien servi à ce niveau-là. Après, on n'est jamais contraire. Si jamais vous avez les possibilités au niveau des ventes d'armes, effectivement, qu'on ne sera pas contre de vous avoir dans notre carnet de revendeurs. Comme ça, si on a un problème avec une des organisations qui nous vend les armes actuellement, on a toujours quelqu'un vers qui se tourner. Évidemment qu'on est preneur. Je sais vous pas avez c'est... des... comment dire, des armes dans le viseur, hein? Vous cherchez quoi pour le moment, c'est vrai qu'on va maintenant regarder pour tout ce qui est calibre 50 et SMG, parce qu'en 9 mm, on est assez bien équipé pour l'instant. Donc on va se tourner pour tout ce qui est 9.50, calibre 50, SMG. Et alors aussi en armes blanches pour les nouvelles recrues, c'est pas trop mal de les équiper d'armes blanches le temps du recrutement et des premiers essais. On n'équipe pas nos retenues dans un premier temps d'armes à feu, on les équipe d'armes blanches pour une question de sécurité avant le recrutement proprement dit, quoi. Ok. Tout ce qui est calibre 50 et usé, c'est quelque chose que je peux pas vous vendre pour l'instant vu qu'on ne se connaît pas encore. Tout à fait, je comprends. Mais les armes blanches, on pourrait peut-être trouver un arrangement pour faire un premier essai. Ça m'intéresse. Je sais pas à quel prix, on a déjà des bons prix, on a déjà les prix du marché vu qu'on en a déjà acheté quelques-unes. Donc si vous alignez à ces prix du marché, effectivement qu'on sera intéressé de faire des affaires. C'est quoi vos prix à vous? Ça tourne à 60, entre 60 et 70 000 pièces. Mmh. Après, tout dépend. Là, on a reçu des couteaux à cran d'arrêt, on a reçu battes de baseball, clés à molette. Donc, je sais pas qu'est-ce que vous avez comme type d'arme blanche à proposer. Pour l'instant, on a un petit lot de couteaux. Mais je dois vous avouer que nous, ça tournait plutôt autour de 90 à 100 000. Ouais, nous, on a. Après, on. Ouais, c'est vrai que nous on parlait plus de clés à molette, battes de baseball au prix de 60-70. Donc ça c'est à vous de voir, hein. Vous de voir ce que vous pouvez faire. Si on prend par exemple une commande de plusieurs unités, si vous savez peut-être faire un prix à ce niveau, vous ne prendra pas ça à la pièce, hein. Vous prendra ça directement en plusieurs, par petits lots. Donc c'est un moyen de faire un prix de groupe, effectivement on sera intéressé. Pour ce qui concerne les armes blanches, après pour les armes à feu, là on négocie pas le prix, on sait que des prix ont été instaurés et certaines personnes sont intransigeantes apparemment sur ce sujet, donc on prend sans négociation. Vous les prenez à combien les 9 mm d'habitude? À 400 000. Ok. Ok, des 9 mm j'en ai un ou deux à vendre si vous en cherchez. Et là, ce que je peux vous proposer, c'est 4 couteaux. Des couteaux de combat avec une assez grosse lame. Ah, pour okay. 350 000. Ça m'intéresse, 4 couteaux, 350 000. Ok. Vous me laissez jusqu'à la fin de semaine et on s'en occupe.
on vous prendra ce lot. Ça vous va? Fin de semaine. Ouais, disons vendredi. Pour vendredi, on pourra faire la transaction. Parce qu'on vient aujourd'hui justement de prendre un lot d'armes auprès d'une organisation. Donc, ça s'est passé vraiment quelques minutes avant votre rendez-vous. Donc, faut qu'on récupère un peu de fonds pour réinvestir. Il faut remplir les comptes. C'est ça, ça vient de les vider là. Franchement, je vous le dis, on a fait une grosse commande, donc on vient de les vider, mais ça se remplit très vite chez nous. On tourne plus ou moins 200 000 par jour de chiffre d'affaires, donc ça pourra aller très vite. Ok. Ok, mais donc, d'ici vendredi, on sera certain de ne pas vous faire attendre à ce sujet. Et on prendra alors, vous m'avez dit, un lot de 4 couteaux, c'est ça? Si. Okay, donc ça, on les prend, vous pouvez les bloquer pour nous. Ok, perfecto. Je note. Et dites-moi, ces commandes de vandalisme là. Il y a de vos pequeños qui m'ont parlé que vous étiez en relation avec deux groupes. J'imagine que c'est avec un des deux. Tout à fait. Avec lequel, sans être indiscret? C'est pas un secret, nous on traite pour la pègre, avec la pègre, avec qui on a des relations qui se passent de business parfaitement clean, et on est dans relation de confiance totale, dans le sens où tous les engagements ont systématiquement été honorés. Moi, c'est ce que je cherche. Je cherche pas dans le tourloupe. Et donc, c'est vrai qu'à ce niveau, j'ai pas à me plaindre. Pour l'instant, nos relations sont au beau fixe. Ok. J'ai entendu un peu parler d'eux, mais vous voyez, je suis arrivé en France il n'y a pas si longtemps. Je n'ai pas encore eu l'honneur de les rencontrer. Ah, ce que je peux vous dire, c'est qu'au niveau du business et des affaires, ils sont corrects. J'en suis la preuve vivante. Il y a moyen de faire de bonnes affaires si. Du coup, avec eux, c'est le business de l'opium. Eux, ils gèrent le business de l'opium, ils se partagent ça avec l'organisation du milieu. Ok. Donc, ils gèrent ce point 50-50. Après, au niveau des accords qu'ils ont entre eux, là, je peux pas vous en dire plus, mais en tout cas, je sais qu'ils se partagent cette zone, tout ce circuit partagé entre ces deux organisations. Ok. Après, moi, je peux vous mettre en relation avec ces gens-là. Ils sont seront très certainement ouverts à vous rencontrer, vu que je vois que vous êtes des gens me paraissent très corrects. Donc, ça me dérangera pas de vous mettre en relation, au moins via un Reddit ou quelque chose, ensuite que vous preniez le relais à ce niveau pour vous organiser des rendez-vous. Avec plaisir. Moi, je peux jouer de mes relations pour vous mettre rapidement en contact avec ces gens. Dès ce soir, j'en parlerai à la pègre pour qu'elle organise un rendez-vous avec vous dans les plus brefs délais. Ok, perfecto. Je vous en remercie. Avec plaisir, tout le plaisir est pour moi. Et du coup, les relations que vous avez avec la Légion, c'est purement... purement business. Purement business. Après, on a eu des propositions de leur part, pas au niveau armement, mais au niveau blanchiment d'argent. Donc, au niveau du blanchiment d'argent, on a eu des propositions de business. On n'a pas encore... procéder à ce genre de transaction, parce que pour cela on fait appel au milieu pour le moment. Okay. Donc au niveau du point au niveau de la Légion, ça se limite à l'exploitation de leur point de drogue et basta pour l'instant. Ok, d'accord. Ça vous intéresse le blanchiment du coup? Oui, tout à fait, ça nous intéresse. Après voilà, tout dépend aussi de du tarif. Tarif que vous imposez, parce qu'on a des bons tarifs, donc là ça dépend. Nous on va au plus offrant ce niveau. Pour l'instant, on n'a pas de business établi, mais c'est une chose qu'on voudra développer par la suite. Alors, si ça vous intéresse et que nos tarifs sont assez attrayants pour vous par rapport à ce qu'on vous propose déjà, vous êtes les bienvenus. Ok, on ira au plus offrant à ce niveau. Donc, nous, on n'a pas de problème si vous êtes, entre guillemets, si vous avez les meilleures conditions à ce niveau, c'est vers vous qu'on se dirigera sans problème. Je jouerai carte sur table avec vous, avec les conditions que j'ai actuellement. Et si vous faites mieux, évidemment que cela m'intéressera sans problème. Ok. Je voulais lui poser quelques questions. On m'a parlé un peu des relations. Votre pequeño m'a dit que le milieu et la pègre, des fois ça s'entendait bien, des fois ça se tirait dessus, c'est pas... Non. En fait, c'est pas vraiment ça. Le truc, c'est qu'au départ, le point était géré par la pègre, tout le circuit. Ensuite, ils ont perdu leur boss et du coup, l'organisation avait pris un peu de faiblesse à ce niveau. Du coup, le circuit avait été pendant un temps un peu délaissé, on va dire. Alors, le milieu, entre-temps, a voulu revendiquer ce circuit, mais la pègre
s'est réveillé entre guillemets, donc pour éviter toute guerre inutile, ils ont préféré partager les bénéfices et temporairement, on connaît pas la durée des accords qu'ils ont pris, mais temporairement, voilà, ils se partagent la zone, tout le circuit complet. Et je dois dire que pour le moment, j'ai l'impression que ça se passe assez bien à ce niveau. Donc, je crois qu'ils ont réussi à trouver des accords commerciaux qui les arrangent autant l'un que l'autre. Ok, intéressant. Tant que je pense pas qu'on puisse parler de désaccord pour l'instant, il y en a eu. C'est clair que la négociation n'a pas été facile pour trouver un point d'entente. Mais on peut parler maintenant d'accord solide au niveau des relations pour la gestion de ce point. Et les Irish, vous en avez entendu parler ou pas? Bien sûr. Okay. Avec l'Irish, c'est un peu plus compliqué. Nous, on n'exploite pas leur point. On travaille pas à la coque, vu le prix, le tarif qui est pas terrible. Franchement, en ce moment, sur le marché, ça prend trop de temps pour tout ce que ça rapporte. Donc, je m'intéresse pas à ce business, pour être honnête avec vous. Après, on a eu des petits malins qui se sont amusés à raconter des histoires sur moi. Je sais pas d'où ils tirent même des informations. Je suis en train de vérifier d'où viennent ces sources, mais en tout cas, on a eu des comptes à rendre à l'Irish Mob il n'y a pas très longtemps à ce sujet. Heureusement, grâce aux relations que j'ai pu apporter. Hier, par hasard. Tout à fait, c'était hier. En l'observatoire. C'est ça, oui. Tout à fait. Vous êtes passé par là, comment vous avez cette information sans être indiscret? L'hélicoptère qui s'est posé, c'était nous. Ah, c'était vous qui vous êtes posé, d'accord. On avait un rendez-vous à côté. D'accord. Et on est tombé sur une vingtaine d'Irlandais, l'autre de mon armée, on a été surpris. Ouais, tout à fait. Ils ont sorti le grand jeu pour moi, j'en suis tout honoré. Dans tous les cas... Ça prouve que vous n'êtes pas un amateur. Exactement, c'est ce qu'il faut se dire. Dans tous les cas, on a pu apaiser les tensions parce que j'ai pu prouver par A plus B, de par mes relations, que toutes les informations qu'ils avaient étaient fausses. Et on a d'ailleurs eu quelques promesses de business... en théorie, qui pourront se créer avec le patron de l'Irish Mob, mais il est resté très vague, donc je ne saurais pas vous en dire plus. En tout cas, on s'est quitté hier en plus ou moins bon terme. Après, c'est clair qu'ils ont un caractère un peu plus spécial, je dois dire. Ils sont nerveux. Ah, ils ont le sang chaud. Je ne sais pas, en Irlande, je croyais justement qu'ils auraient moins le sang chaud, mais il faut croire que je me suis trompé. Dernière question, après je vous laisse tranquille avec cet interrogatoire. J'ai entendu parler, justement en parlant avec les Irish, d'une organisation qui s'appelait, comment déjà, Delta, je crois. Alors Delta Crime, on en a entendu parler, mais on les a jamais croisés nulle part et on les a jamais vus réellement en action sur nulle part en ville. Donc on sait qu'ils existent. Après, je sais pas s'ils jouent aux fantômes exprès ou si... S'ils sont volontairement pas très actifs, je saurais pas vous dire. En tout cas, on sait qu'ils existent. On a entendu parler d'eux plusieurs fois. Hier, j'ai eu des relations avec une autre organisation qui s'appelle les Lyonnais. Et je sais qu'ils sont à la recherche de la Delta Crime, justement. Je connais pas les raisons, mais ils ont du mal à mettre le grappin dessus. C'est peut-être pour cette raison qu'ils se font discrets pour le moment. Mais en tout cas, pour ma part, je les ai jamais croisés pour l'instant. Ok, intéressant. Bien, perfecto. J'ai dit tout ce que je voulais dire. Je vous ai fait une proposition de business. Écoutez, moi je vous propose d'échanger un Reddit privé. Si vous me permettez, on se met pas à l'écart. Je vous échange un Reddit privé pour cette transaction d'armes blanches qui est prévue. Ok. Et comme ça, on se confirme, enfin pour moi c'est confirmé de toute façon, mais on s'organise vendredi pour procéder à la transaction, ok? Ok, allez. Monsieur, c'est chez vous ici? Non, ce n'est pas chez nous ici. Ok. On est venu ici pour être tranquille. Ça pourrait être tranquille, c'est tranquille. Si.
Vámonos. On y va? Ça peut partir en C4. On bouge, on bouge. Je m'assieds là à côté de la place du boss, hein. Ça me dérange pas à la droite du boss. C'est pas le boss, mais c'est pas. Ah, c'est les pilotes, c'est les pilotes, ok. Bon, je vais déposer la montée là. J'adore ces engins, je crois que je vais en faire l'acquisition. Ouais, c'est parfait, ça pour on va aller faire une balade. Tu stockes 300 places dans ce genre de, d'engin là, de joujou. Il n'y a pas 300 places. Ah, il n'y a pas 300 places. Là, j'étais vraiment trouvé déçu. Il n'y a que 100 places apparemment. Ah, d'accord, ah ouais, non, c'est pas celui que je pensais alors. C'est pas terrible. Ah, merci, ça marche. Merci, monsieur. Merci. Pas de souci. Ben alors. Hein? Et où? Merci. Ok, on va aller à la prochaine. À la prochaine. Ok, tout le monde devant les voitures, les gars. Le volant pour le retour? Non, d'accord. Non, c'est rien, ça c'est citoyen. Deverrouillez les voitures, boss. La voiture? Ok, moi je vais répondre à des mails, les gars, de rester. Vas-y. Ah, ok. On a fait nos masques. Je vais devenir une vedette en évidemment, tout le monde se démasque. On va être des vedettes, les amis, hein. Tout le monde a validé, le point vous l'avez mis sur le maison. Ouais, c'est bon. En route. Tire le régulateur de vitesse, Armand. Ah, je l'ai pas. Oula, le conducteur, la voiture devant. T'en prends, je suis gomme, Franck, ça va pas. T'as un truc collé en dessous. Ok, c'est bon. C'est bien. Voilà. Ok, c'était pas mal, hein. Oui, c'était pas mal, oui. Je me souviens de cet endroit. Oui, bien sûr. Vas-y, Jacques, là. Je vais voir un peu bizarre. J'ai le régulateur à 120 pour pas avoir de problème. Régulateur à 120.
pas un 120 devant, c'est pas possible. Je suis à 150 et il s'est foutu de la gueule du monde celui-ci. Pablo, ton régulateur. T'as dit quoi? Ton régulateur, il est à combien là? 150. Beaucoup trop, 120. Les gars, faut qu'on passe à la bombe à essence pour nous. Non, mais ça va, on a la moitié du plein, ça fait. C'est toi, Miguel, qui a dit la station. Miguel? C'est qui a demandé la station? C'est le raptor derrière. Très bien. Arrêt prévu. Prochaine station. Raptor devant, c'est reçu. Escúchame. La cocaïne, c'est à moi. Devant tes homards. Tu veux jeter un couleur devant tes homards? Le homard, je le préfère en brochette. La gambasse, c'est bon aussi, à ce qui paraît. Bah, c'est un beau petit convoi ça. Et tu sais quoi mon frère? Ouais Armand. J'ai regardé la télé là tout à l'heure là, pendant le rendez-vous, tu sais quoi? Ouais. Il y a le son sur la télé, c'est fou ça. Ah ça c'est cool ça. Ah ça fait plaisir. Alors, d'entendre ça, le son quand tu vois l'image. Oh oui, t'inquiète pas va. On a vu qui aujourd'hui? On a vu la pègre, on a vu... Eh c'est pas fini la pègre, on va la revoir je te rappelle. Le cartel de Roi. Ah ouais, il doit venir vous donner l'arme, c'est vrai. Radio, répétez. Répète. Je reçois rien. Non, non, non. C'est parce que j'ai rien dit. Oh putain. Ils sont cons. Un petit peu, mais je le dirai pas. Putain de merde. Je suis fatigué. Par où il passe celui-ci? Ah, on les appelle pas les sbires pour rien. Moi j'ai payé 10 ans. C'est pas des sbires pour rien, man. Aïe aïe aïe. Pas grave, Trassard, Trassard. Trassard, la lara. Angular, Trassard. Escucha bien. Franck, tu. Imitateur. Limitateur, man. Bah, j'ai le limitateur. Non, enlève-le. Ah, pardon. Ah, voilà. Qui conduit le raptor derrière? C'est moi. Aïe. Frérot, ta voiture, elle a pris une gomme. T'as vu, moi, à l'aller, j'ai conduit la voiture avec un accident. Bonjour, monsieur. En plus, c'est qui parle comme ça? Oh putain, c'est le numéro de sa femme, c'est un peu du Google. Ouais, c'était. Je reste après avec elle. Bonjour monsieur. Oh Pépé, ça va ou quoi? On a Pépé dans la voiture, hermano. Ouais, comment je le soulève. Voilà. Vas-y, je reviens, moi. Pas de problème. Ouais, c'est un problème, Diego. Expérience sociale, montre-moi. Je veux voir l'expérience. Quoi, tu es en magasin? Je suis sorti de ma voiture.
Attention, je suis sur la piste. Attention, ma voiture. Dada. Les potes, c'était une bonne petite soirée, c'est cool, c'est cool, c'est cool. Ça va, Tété? Si, ça va, tranquille. Ça va, tu l'as pas gardé trop longtemps dans la poche avant de l'allumer, celui-là? Ah, ça en avait envie, ça fait un moment, hein. Oui, je vois. Venez à la piscine. Oh, Titi, tu t'es plaqué les cheveux aujourd'hui ou quoi? J'ai l'impression. Si, non, c'est la casquette, il me manque la casquette, là. Ah, oui, ouais. Puis la casquette, ça colle, tu vois. C'est la transpiration. Exactement. Ouais. Ah, qu'il est sale, Titi. Avec ses joints en plus. Sans commentaire. Trix, remonte sur le bord de la piscine, s'il te plaît. Je suis. Ah. Non, t'inquiète. Il est bien placé, t'inquiète pas. Ah, bah, je sais pas, moi je le voyais au fond. Ouais, moi c'est normal, c'est normal, mais ça l'a fait tout à l'heure. Bon, les gars, je tiens à vous remercier, les gars, ça s'est plutôt bien passé. Je vous avoue. Sauf le petit là qui sait pas conduire, le reste c'était très bien. C'est lequel? Ah. Non, je plaisante. Excuse-moi, ta voiture elle a des chewing-gums, c'est pas mon pote. Non, c'est pas grave. Ça, ah ouais, moi aussi, vous inquiétez pas, quand je regardais dans mon rétroviseur, je voyais aussi qu'il y avait des chewing-gums. C'est normal, c'est le régulateur qui fait ça. C'est ouais, pas des voilà, chewing-gums, c'est le régulateur de vitesse. Ouais, voilà, c'est pour ça. Raison de plus pour pas coller au derrière de véhicule au cas où. Ouais, ça va, ouais, donc ce soir, le premier homme demain il est équipé. Son joujou. Moi j'ai le mien aussi. Les autres personnes qui deviendront demain ils seront équipés aussi. Ça c'est à voir avec Johnny et Franck. Dans les deux semaines qui arrivent, je vais prendre beaucoup de notes. Et dans les deux semaines, il y aura les deux autres hommes. Moi je vais observer aussi. En attendant, tous les sbires, vous allez être occupés prochainement de l'arme blanche au complet. Ok. Il te reste de quoi travailler ou pas, mon frère là? Quoi, Armano? Il te reste de quoi les envoyer au charbon ou pas du tout là? Non, ils ont bien travaillé sur ça. Il y a tout charbonné. Tout est parti. Ouais. Bon, les gars, moi je vais aller me changer. Escoute, ça bien. Non, c'est dans 30 minutes. Oui, t'es encore un peu de. Dans 30 minutes, il est. Ouh, ça passe vite le temps. Essayez de rester quand même disponible parce qu'il y a Diego qui est parti voir quelqu'un et c'est quand même. Ah, je serai là, moi, c'est juste pour 10 minutes. Je vais dire, s'il lui arrive quelque chose, c'est pour ça disponible pour lui donner un coup de main. Ok. Et là, c'est bon, c'est fini, okay. Le travail. T'as compris, Tété, fume pas trop, on ouais, a besoin que tu sois aux aguets. C'est fini, restez juste. Ah, mais il faudra que j'aille dormir. Ceux qui vont pas dormir, restez juste disponible en radio quand ouais, on peut dormir. Tu peux aller dormir, hein, Tété, pas de et problème. Bon, ben merci beaucoup. Alors, moi je vais convoquer les rouges maintenant, ok. On va voir s'ils sont disponibles. Moi, je reste ici, à la radio, ok. Ok, ça marche. Quand s'ils sont là, tu me dis, je vais y aller. Ouais, ça marche, hermano, ça marche, parfait. Bon, allez, à tout à l'heure, les gars. Ça va, Trix? Ça va, tranquille. Hein. Bon. On est là. Hein. C'est bien. Ouais, dis-moi. Oh, regarde là. Ouais. Où est l'intrus? Les chaussures, c'est ça? Aïe, le pantalon, c'est pas le bon! Une deuxième? Putain de merde, comment tu vas devenir. Dis-toi qu'il a fait exprès. Non. Frérot, j'ai. Dis-toi qu'il a fait exprès juste pour montrer son putain de caractère, les gars. Non. Écoute, s'il te plaît, laisse-moi finir. C'est pas ton frère pour rien, putain de merde. Écoute quoi? Attends, on est d'accord qu'il va me dire écoute. Oui, écoute pas, je te parle là. Écoute ça bien. Descends dans la piscine là. Descends dans la piscine pour ta peine. Oh, tu vas rester à poil là. Oh, le boss il a parlé. Dommage. Hein, t'as du caractère maintenant. Hein. Aïe, bordel. Et une danse sexy aussi là au milieu. Elle fait une petite danse pour se faire pardonner. Là. C'est moi. Danse. Ah, la danse. Mais fais pas ça. Danse. La 9e ouais. Danse que je t'ai appris là, la 9e ouais. Danse que je t'ai appris là. La 9e j'ai dit. Ah. La 9e. Trix tout nu. Danse. Ok, Trix, il a été efficace, Johnny, aujourd'hui. Ah, j'étais efficace. Qu'est-ce que tu en as pensé de Trix aujourd'hui? Il a été efficace, là.
Je suis pas sûr qu'on t'ait dit d'arrêter de danser, Antonio. Hein. Pourquoi, Antonio? Il a fait quelque chose? Je sais pas, on va lui demander. Antonio, je suis pas sûr que le boss t'ait dit d'arrêter de danser. À mon avis, tu devrais continuer. C'est cool, quand tu m'empires. Bah, mais pourquoi? Écoute, c'est le boss qui parle, hein. Il t'a demandé de danser. Tant qu'il t'a pas dit d'arrêter, à mon avis, tu devrais pas arrêter. Il a montré de faire une danse sexy. On rigole, hein, si on peut plus rigoler. Ouais, hermano. Si, on peut rigoler, c'est pour ça que tu vas danser, au moins on rigole tout ça. Ouais. Voilà. Ah bah voilà. C'est quoi, regarde. Continue, continue, t'arrêtes pas, frérot. Regarde. Ouais, dans ce okay, ok, ok, ouais, bah ça va, j'ai un bon matin pour avoir, tu as toujours l'impression que tu m'envoies. Oh, je t'avais jamais vu avec un danger comme ça, dis donc. Ah, ça suffit. Ouais, je peux te dire que à l'ancienne, quand tu cheats, que ça. Ok, Johnny, tu as du travail là, il y a un recrutement là, cuisine-le. Il est où? Tu veux que je m'en occupe aussi? Il arrive dans 2 minutes, vous en occupez tous les deux. C'est qui? C'est. C'est un type de Diego, non, c'est ça? Ouais, apparemment, il est de confiance. On va voir ça. Essaye de sentir, c'est pas un poyo, ça, c'est moi, ça. Il va se faire éclater la gueule ou de là-bas. Diego, tu es sur la radio? Je suis sur la radio. Tu es en route, j'imagine. Ouais, ouais, je suis à côté. Bien, quand tu arrives devant, si tu es en voiture, fais-le descendre. Ah ouais, t'inquiète, hein. On le prendra en charge avec Miguel. Ça marche. Je suis devant, là. Je suis là. Je vais prendre Antonio avec moi, les gars. Pour le recrutement? Ouais, je vais le cuisiner avec Antonio. Ah, donc tu me verras de mon boulot, quoi. Ah, toi aussi tu vas cuisiner? Ah bah, ça fait partie de mon boulot, hein. Ah, je savais pas que c'était cuistot, toi. Écoute, j'ai un gérant sur le recrutement tout comme toi, tu vois. Ah, mais tu peux venir, on le fait à 3, y'a pas de problème. Salut. Bien, quoi. Ça va et toi? Tranquille, hein. Je t'en prie, suis-moi. Je l'amène à la piscine où il y a la chaise. Tu ramènes qui? Bah, la recrue, d'après toi. Putain, mais je l'ai dit de venir à la sortie, ils sont cons ou quoi? Ils sont arrivés par l'autre côté, c'est rien. Vous masquez tous, les gars. Vous masquez tous, les gars, pour la recrue. Descends là en bas et assieds. Descends là en bas et assieds-toi là. Pour les recrues, maintenant, c'est vêtu de petite. Vous dégainez les guns pour accueillir la nouvelle recrue là. Tu sais pourquoi tu es là? Ouais. Ah, c'est déjà un bon début. Attends, bougez pas, ça va commencer, t'inquiète pas. Bonsoir. Bonsoir. Tranquillement et toi? Tranquille, tranquille. Pense à parler un peu plus fort. T'as pas le c'est bon là? Fraîche. Pas tout le monde dans la piscine, s'il vous plaît. F-R-E-S-H. Oh là, piège d'honneur. Comment tu t'appelles? Fraîche. Alors, t'es rentré ici. Ouais. À partir du moment où tu rentres ici, je veux une copie de ta carte d'identité tout de suite là. Oh. Tu t'occupes de la photo ou pas? Ou je le fais? Non, les gars, on fait pas ça, les gars. Non, direct, obligé. Maintenant. La carte d'identité, juste. Non, ça se fait pas, les gars. Non, gros, il m'a demandé si il pouvait faire sa carte d'identité. J'ai dit non, t'étais pas obligé au début. Ah. Non, mais attends, il rentre dans un quartier, tu crois que ça va aller se marcher comme ça, qu'il doit bien se douter, il rentre pas chez les bisounours. S'il a rien à se reprocher, y'a pas de problème, tu vas pas avoir peur. Y'en a 10 000 des gens qui vont monter leur carte dans cette ville. Moi je suis pour discuter avec toi, t'as vu? Avec toi après c'est une fois, mais c'est pas toi. Par contre frérot, t'as un petit problème de gorge, je comprends pas ce que tu dis. Ah ouais? D'où vous vous êtes rencontrés, toi et Diego?
Dans une soirée. Ici au Galaxy? Non, je crois que c'est au Unicorn. Ouais, ah, Unicorn, ok. C'était au tout début, j'ai en ville. Qu'est-ce qui t'a fait? Ah, ouais, au tout début là. Directement, je me sens pas dans tout ça, tout qu'est-ce jours. Que tu as fait comme boulot donc, depuis là, que tu es ici? Moi? Ouais. Je suis d'accord, je suis charbonneur d'accord. Charbonneur un peu partout. Charbonneur de quoi? Un peu partout. Masque toi même quoi, si tu le connais s'il te plaît. Frérot, il est louche, je l'ai rencontré en soirée, ça c'est des phrases de geek ça. Alors tu... qu'est-ce que tu peux me répéter? Est-ce que tu as fait ça, comme travail? C'était pas la mette à l'opium. La mette à l'opium? Ouais. Comment tu as eu accès à ces points? C'est acheté. Tu les as achetés? À qui? Alors là, très bonne question, même moi je sais pas. Tu achètes, tu sais pas qui tu achètes? Non, en vrai de vrai, ça m'intéresse même pas. Combien tu as payé ces points? 80. 80 c'est quoi 80? 80 000. 80 000 pour qui? Comment ça pour qui? 80 000 le point ou le circuit? Non, non, le circuit. Pas sur autre chose les gars. Ouais, 80 000 le circuit, mais là-bas quand tu charbonnes, on t'a laissé tranquille charbonner comme ça, tu vas me dire. La mettre, il y a la Légion sur le bois. Et le pion, je crois que c'est le milieu. Hein. Okay. Ok. Donc tu es connu du milieu de la Légion? Bah, ils ont juste ma tête, c'est tout. Comment tu te fais appeler? Fraîche par mon nom. Comment tu dis? Fraîche. Fraîche? Ouais. Ok. Ok, ok, ok. Ouais. Ok, ok, ok. Alors, qu'est-ce que tu cherches ici en venant ici? C'était quoi ton objectif? Je voulais te proposer un truc. Me proposer un truc? Habituellement, ouais. C'est moi qui propose. Oui, c'est ce que j'allais dire. Intéressant. Oh, ou si t'as des trucs à proposer, tu vois. Non, d'abord, tu t'es avancé, donc maintenant... Comment il faut parler maintenant. Ouais, en fait, t'as vu, moi, je charbonne avec un collègue à moi pour des gens. C'est qui, ce collègue? C'est mon pote, le toi, mon frère. Les gars, y'a que moi, je l'entends comme ça? Non, toi, pas le seul. Moi aussi, je t'entends bizarrement, là. C'est, vrai c'est que bizarre, tu peux pas parler clairement, s'il te plaît. C'est vrai que tu as mis ta langue dans ton cou, là. Ah ouais? Ouais, je te jure. Bon, du coup, c'est qui ce mec? C'est mon frère. Ton frère? Ouais. Il fait quoi dans la vie, lui? Comme moi. J'ai rencontré aussi son frère. Et vous êtes des civils illégaux, c'est ça? Ouais, on charbonne pour des gens, en fait. De charbonne pour qui? Les affranchis, je pense que je connais même pas. Des affranchis? Ouais. Jamais entendu vous parler, c'est bizarre. C'est bien ça. Et non, c'est une organisation. Ils sont officiels ou pas? Non. Donc ta proposition en clair, c'était quoi? C'est que nous, t'as vu, on tape un peu partout. Ça veut dire si t'as des trucs à nous proposer, des missions ou quoi, on dit peu importe ce que c'est. Tu es chaud? Et nous, tu parles. Et pour me prouver ta confiance, que je peux te faire confiance, qu'est-ce que tu es prêt à faire? Envoie-moi sur un truc et tu verras bien. Tu charbonnes depuis combien de temps là, Armano? Ça fait 2-3 semaines en fait. 2-3 semaines, donc tu t'es déjà constitué un petit capital. Là j'ai de l'argent sale. J'ai pas beaucoup, je dois avoir 70k, un truc comme ça. 70k en 2-3 semaines, c'est pas beaucoup moi, Armano. Non, j'ai pas fait 100-200 semaines. Tu as investi, qu'est-ce que tu as fait? Déjà j'ai mis 100k dans un contender. Qui t'a blanchi ton argent? Par contre, je le connais pas, c'est mon ref qui le connaît. Ok. Tout à l'heure, tu parlais de nous, c'est qui nous? C'est toi et ton frère? Ouais. Dans l'immédiat, toi et tout seul ici, tu parles en ton nom, je crois, non? Si ton frère il a besoin de travail, il sera où trouver, t'inquiète pas. Ok, écoute, va te mettre à l'essai. Un essai, voilà, c'est qu'il faut que tu me rapportes. Je veux voir si tu es capable de me rapporter de l'argent rapidement, là. Tu vois? Voir qu'est-ce que tu as dans le ventre. Chez moi, tu peux te renseigner, il n'y a personne qui travaille gratuitement, mais voilà, pour avoir ce luxe-là de travailler pour moi tous les jours et de te remplir des poches, il faut d'abord remplir les miennes. Tu comprends? Ouais. Donc voilà, qu'est-ce que tu es prêt à faire pour moi? Je te repose la question maintenant. Tout.
Donc tu es prêt à charbonner pour moi cette semaine à me rapporter. Les gars, vérifiez, il y a du mouvement devant, s'il vous plaît. Dis-moi combien. J'y vais, j'y vais. Vous avez dit quoi? Combien tu te sens capable de me rapporter, toi, cette semaine? Dis-moi. Moi, j'arrive, les gars, j'arrive. Tout dépend de la façon dont je charbonne. Non, non, mais tu écoutes, tu as l'habitude, donc dis-moi, qu'est-ce que tu es capable de me rapporter ici d'ici vendredi, par exemple? Je suis en train de garder du quartier avec... 200 cas normal. 200 cas noirs. Normal. Comment? Je vais faire un tour du quartier pour voir si t'as pas de véhicule. Marche conclue. Je me rapporte 200 cas d'ici samedi, ok? Ouais, par contre, je me permets de mettre les choses au clair dès maintenant. Ce sera le même tarif pour ton frère, ok? Et si vous faites ça, vous serez intégré dans l'acte. Vous serez intégré dans le groupe charbonné. Excusez-moi, je me permets de maintenant. Dis-moi. Pas d'entourloupe. Tu vois ce qu'on a dans les mains? S'il y a un entourloupe, s'il y a un problème de poyos, s'il y a un seul problème, c'est toi qui auras des problèmes. Mais de toute façon, ça pour te ramener des sous. Non, je comprends, ouais, mais je préfère te le dire que ce soit clair. Tu comprends? Par contre, on va déjà t'avoir de la confiance que je t'ai demandé ta carte d'identité. J'aimerais bien que tu me montres déjà ta bonne volonté en me montrant ta carte. Je l'ai pas. Elle est où ta carte? Elle est chez moi. Ouais, ouais. C'est bon, rien à signaler. J'ai compris maintenant. Comment? C'est bon, y a rien à signaler, c'est bon. Vas-y, t'inquiète. Ça te pose un problème que je vois ton nom et ton prénom si je te demande d'aller la chercher? Ouais. Mon prénom, je m'en bats les couilles, t'as vu, je te l'ai donné. Pourquoi ça te pose un problème de savoir que je sache ton nom? Moi, je connais le nom de tous mes hommes. Ah, mais tu vois le nom, personne ne le connaît, mais vraiment personne. Eh ben, ça sera un début, il y a un début à tout. Je sais pas si tu as bien compris la situation là. Ouais, décale-toi un tout petit peu, s'il te plaît. Merci. Ne bougez surtout pas. Voilà, tout est beau. C'est bon. À défaut d'avoir ta carte d'identité, au moins je sais à quoi tu ressembles. Tu es sûr que tu veux pas la montrer? Ouais. Ah, on va faire ça. Je vais te prendre au mot. Tu me rapportes 200 000 d'ici vendredi, ok? Si tu es déjà capable de faire ça, après ça on rediscute. Ça te convient? Ouais. Moi ça me plaît pas, et... Je sais pas si tu as remarqué avec qui tu étais là, mais... Normalement si on te demande ta carte d'identité, même si tu la passes, si on te demande d'aller la chercher, tu vas la chercher. Ça, c'est quelque chose qu'on verra plus tard. Ça me plaît pas. Ouais, mais moi ça me plaît pas. Dans un premier temps, avant de m'intéresser à lui réellement, je vais déjà voir ce qu'il a dans le ventre. Si d'ici samedi tu es capable de me rapporter ce que je te demande, alors on pourra discuter affaires clairement tous les deux. Ok. Pas de souci. Sache que j'étais à l'œil. Tu veux pas montrer ta carte d'identité? Très bien, je sais à quoi tu ressembles, j'étais à l'œil. Je suis un homme gentil, mais je veux pas qu'on cause des problèmes, tu comprends? Ouais, je comprends. Bien, donc tu causeras pas de problème, on est clair là-dessus. Mais non, je crois que ça va faire. Bon. C'est bien. Ça marche, tu sais qu'est-ce qu'il te reste à faire d'ici samedi, Mormano? Et si tu es capable, alors samedi on rediscutera tranquillement de tout va aller avec avec le collègue là. Il va t'amener en boutique de vêtements, il va te donner un joli tenue, tu vois là? Non. S'il travaillait pour nous. Non, t'as pas compris. J'ai pas dit qu'il travaillait pour moi. Non, j'ai pas dit qu'il travaillait pour nous. Mais tant qu'il te rapporte du pognon à toi. Fait qu'est-ce qu'il veut d'ici samedi? Moi j'en ai rien. Ah d'accord, tu veux qu'il te rapporte une certaine somme. Je vais le voir ici au plus tard. Je vais le voir ici avec 200 cas dans la poche. J'ai compris. S'il est capable, alors on discutera de tenue, on discutera de tout ce que tu veux. Non, j'ai compris. J'avais pas anticipé sous cet angle là, mais j'ai compris, pas de problème. C'est clair pour toi, Morvan? Ouais, c'est clair. C'est fraîche, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok, alors. On est d'accord, le week-end tu vas nous ramener 200 cas, c'est ça? Ouais, voilà, t'as tout compris. Parfait. Moi ça me convient. Bien. Ouais, c'est bon, on fait comme ça. Allez, pour moi ça me convient. Je te raccompagne. Vas-y. Évidemment, tu n'es jamais venu ici, il n'y a aucune information qui fuite. Bah ouais, normal. Bien.
À vendredi alors. Vas-y, à vendredi. Bon courage. Merci. Test, on l'intégrera, ok? Ouais. Les gars, moi je vais passer ma formation. Après, je te chargerai de le convaincre de poster sur internet sa carte d'identité. Oh non, il n'y a pas de convaincre, okay. Il le fera à point barre, c'est tout. C'est la procédure. Ouais. Moi, quand je lui ai parlé de ça, tu vois, il m'a dit, ouais, par contre, est-ce que je dois faire mon nom? J'ai au début, t'es pas obligé, tu vois, parce qu'au début, c'est vrai que t'étais pas obligé. Ouais, oh, non, là, dans l'immédiat, tant qu'il intègre pas, on joue pas les couilles. C'est pour ça que s'il veut intégrer à un moment donné, de façon. Par contre, il faut qu'il apprenne à être un tout petit peu plus docile et à moins faire le bonhomme. Hein. Non, ça me dérange pas des gars qui ont du caractère. Non, il y a caractère, et il y a être pas, trop, tu vois. Tant que c'est pas un poyos, non, j'ai confiance en Diego. J'ai confiance en Diego pour pas me ramener de la merde. Sauf que lui, il faisait un peu le héros quand même, hein. Je trouve pas. Ah non, j'ai pas trouvé, hermano. Tu as pas trouvé, mais moi j'ai trouvé que. Je parle pas de ça, mais à partir du moment, où il y a des hommes armés autour de toi et où on te demande ton carte, à mon avis, tu négocies pas. On n'a pas exigé. On lui a posé la question de montrer sa carte, on lui a laissé le choix, il a fait son choix. Bref, pour l'instant, on se contente de ce choix, d'accord? S'il ramène c'est déjà toi, de boss, l'argent qui s'en vient, moi j'ai pas de mentir, ça me faisait chier de forcer ce que tu vois avant de venir. C'est pour ça, c'est lui le boss. Moi je, non, je remets moi, pas en question. Sur Diego, tu vois, c'était quelqu'un d'autre, j'aurais été un petit peu plus sévère. Mais là, non, pour Diego... Moi avant de venir ici, il m'a demandé est-ce qu'il devait faire sa carte. J'ai dit au début, normalement t'es pas obligé. J'espère que tu m'as pas trouvé trop sur le dent, c'est tout. En tout cas, c'est après, toi le boss. Tu vois, je l'ai pas. Il m'a vraiment posé la question avant de venir, tu vois ce que je veux dire. Bon, je dis. Au début, t'es pas obligé, mais après, si tu veux signer un contrat, tu seras obligé. C'est ça, c'est bien parlé. C'est exactement ça. Dans un premier temps, il m'amène 200K, ok, ouais. S'il est capable de m'amener 200K, après, on passe à une autre étape, ok. Mais ici, pour le moment, je veux plus entendre parler de lui avant samedi, d'ici à ce qu'il revient avec l'argent. Ça vous marche, les gars? Très bien. Parfait. J'espère que tu m'as pas trouvé un petit peu trop, boss. Non. Après, moi je te dis, c'est parce que c'est un pote à Diego, alors j'essaye de le ménager un peu. J'ai essayé de faire mon travail. C'est qui souffle Diego très très fort de ses narines? Mal à l'aise. C'est moi. Oula, Diego, tu fous. Tu as d'où souffler? Après, regarde, Trix, il peut en témoigner que pour le premier contact, ça n'est pas toujours le plus docile, hein, tu vois. Hein, oui, Trix? Oui. Surtout avec ton bras droit, quoi. Il peut pas me blairer encore, j'ai l'impression. Ah, ça va, il m'a pas dit. Et tu as l'impression que moi je te blaire, peut-être? Non, j'ai pas dit ça. Ah, non, je rigole. Franck, tu as la dégaine un peu facile, je trouve. Non, c'est juste une blague, je rigole. Je vais le mettre dans le coffre, de toute façon, de là où voilà. T'inquiète pas. Eh, je suis pas... Tu sais très bien que... J'aime pas trop ça. Ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas que je te fasse. Hein, okay. Je sais, c'est juste... voilà, tu trouves que je le dégaine facile, mais avant que j'appuie sur le détente, il va se passer du temps, crois-moi. Eh, Franck, quand je pense, mon premier rendez-vous, il était tranquille. Avec vous. Qui ça? C'est parce que je te connaissais, moi, tu vois. La différence, elle est là. Ouais. C'est parce que je t'ai vu sur le Ice Vault. Tu vas à mon frère, tu vois, mon frère. Tout de suite apprécié, tu vois. Ouais. Non, tu as eu d'abord affaire à moi sur le Ice Vault. Bad Force? Oui. Après, et quand j'ai vu à quel point tu courais vite en voyant les poyos. comment on pouvait t'en vouloir si tu avais des bons goûts en bagnole? Ça, en fait, je me rappelle, t'avais frappé ma voiture. Oui. Qu'est-ce que tu fais, toi? Qu'est-ce que tu fais? Ah, je me rappelle de ça, devant la Tour Eiffel. Oui. Et c'est là que j'étais reconnu, d'ailleurs. Même bagnole, même couleur. Et après, il m'a proposé du travail. Mais en fait, il l'a mis avec cette couleur, je pense, après avoir vu la mienne sur la ligne de départ. On était un peu moins select à l'époque, hein, les gars. Elle est stylée. Ah. Ouais, c'est ça. On était un peu moins select, on va dire, à l'époque. C'est ça. Il y a du passage derrière, qu'est-ce que c'est ce après, merde? Attends. Comme ils ont dit les gens du cartel de Juarez. Ah, une bonne soirée les gars, une bonne soirée, c'était cool, c'est sympa. Vas-y, bonne nuit tout le monde les gars. Bonne nuit. Ciao. Bonne nuit. Bonne nuit.
Mon frère, je vais pas trop tarder non plus, hein. Je vais te ranger, je vais ranger les joujoux dans le Audi et puis je vais aller dormir après moi. Je viens t'ouvrir. Viens, je vous ouvre à tous là-bas. Les gars, je me découvre à tout pour deux minutes. Johnny, t'es parti avec le joujou? Okay, je crois que oui. Voilà, je l'ai posé moi. Ok, nickel. Moi je l'ai pas sur moi si je me fais attraper ou quoi. Nickel. C'est posé, Herman. Bah normalement tout là dans le coffre. Je l'ai de pas façon, sur moi donc oui. Dès que tu reconnectes, dès que tu te réveilles, tu l'as systématiquement. Ah oui? Ouais. Ouais, John. Bon, les gars. Oui, je confirme, je l'ai plus. Ouais, j'y vais. Je te dis à demain. Ouais, ok. Ouais, demain. Juste, tu vois, quand voilà, c'est demain. Pas nécessaire, on remet tout ça en place. Bonne nuit. Okay. Mais fais attention, quoi. Si tu l'as, fais attention à toi, quoi, ok. Ça marche. Moi, je vais aller dormir aussi, les gars. J'ai beaucoup de boulot demain. Ça marche. Bonne allez, soirée, Carlito. Allez, ciao. Salut, Trix. Bonne soirée, hermano. Je te fais un bise, mon frère. Ciao, tu vas ciao. À ta destinée toi comme t'es parti là. Voilà. C'est ta destinée. Oui, c'est ça, tu as tout compris. Ah, on me la fait pas à moi, Armano. Non, là c'est pas ma destinée, là c'est surtout que demain j'ai du boulot. Allez, bonne nuit. Allez, ciao Franck. Allez, dégage. Tu pourrais éviter de me prendre pour un moucheron sous ta chaussure s'il te plaît? Ça m'arrangerait. Ah, tu feras attention, je crois que tu as une merde de mouette dans les cheveux d'ailleurs. Les gars, je dégaine maintenant, je dégaine tout à l'heure. Moi je m'écarte après, c'est un aimant de toute façon. Chat! Allez les gars, on se laisse là-dessus, bisous à tous, à la prochaine, ciao.